extends des crêpes dans un plat en plastique, s'il te plaît. Dans un plat en plastique, pas de problème. Diane, il est où le couvercle pour ce plat-là? Ben, dans l'armoire. François, ouvre tes yeux. Ben oui, dans l'armoire. Il y en a un paquet, mais c'est trop petit, c'est trop grand. Mais ben, je le trouve pas, là. Ça. Cherche comme il faut! Ben oui, cherche comme il faut. Mais il y en a pas d'autre, là. Je veux pas. Oh, putain. C'est pas compliqué. Salut, Sylvain. Est-ce que je peux m'asseoir deux minutes? Gêne-toi surtout pas. Ah, oh, je suis épuisé. Comment ça? Ben là, j'ai tout fait ce que je t'avais promis. Hein, j'ai tordu ton gazon, j'ai changé l'eau du spa, j'ai monté tes érables, j'ai goudronné ton driveway. T'as fait ça vite. Merci beaucoup. Ah, de rien. Puis toi? Moi quoi? Ben là, en échange, est-ce que t'as tenu ta promesse? Oui. Là, tu t'en rappelles, j'espère? Ben oui. C'est quoi déjà? T'as oublié, là. Tu devais me faire un site Internet. Ah oui, ton site Internet. Ton site de... De quoi déjà? Mon site de rénovation. Oui, ton site de rénovation. Non. Mais pourquoi tu veux faire ça, juste? Je te l'ai dit 1000 fois, François. Ben là, ça fait 1000 fois que j'écoute pas. Non. C'est un site sur lequel je vais faire une émission live pour donner des petits trucs de rénovation au monde entier. Ah, oui. T'es sûr que ça va intéresser un Chinois, ça, de savoir comment vers le pain 2x4? François, dis-toi qu'en matière de rénovation, là, je suis la référence, OK? À moi tout seul, là, je suis l'équivalent de 20 petits coupes Canadian Tire, moi. C'est beau, là, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. François, t'as promis. Oui, c'est... OK. Sylvain, je m'en occupe. Ah, good, good. Hey, puis sais-tu comment ça va s'appeler? Non, comment? Sylvien chez vous. C'est un jeu de mots. Oui, j'avais compris. C'est bon, hein? C'est excellent. C'est ma force, ça, les jeux de mots. Bon, ben écoute, moi, faut que j'aille travailler, là, fait que... C'est le votant. Hein? C'est un jeu de mots. Ah, oh, OK. C'est pas ta force, ça, hein? Salut, Christophe. Oh, hey, salut François. Il y a une Madame Nicole Caron qui a appelé. Elle dit qu'elle doit absolument vous rencontrer pour renouveler son contrat avec vous autres. Es-tu sérieux? Yes! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est de si merveilleux? Parce que moi, juste entendre son nom, Nicole Caron, c'est pas le genre de fille qui me ferait frétiller. Alors, tu comprends pas, là. C'est une de nos grosses clientes. Là. Elle travaille pour une compagnie de bijoux cheap. Là. Ça représente la moitié de notre fonds de commerce. Hi, ça va-tu si mal que ça? Mettons, il faut absolument qu'elle signe son contrat. Fait que donne-moi son numéro. Excuse-moi, c'est parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire affaire avec Alex. Ouais, normalement, elle fait affaire avec Alex, mais là, il est parti pour 2 semaines, ça fait que je vais m'en occuper. Non, elle fait affaire avec Alex. Quel genre d'affaire? Ben voyons donc. On sait qu'Alex, il tripe ses femmes, là, mais là, il sait faire la différence entre le sexe et le travail. Là, ah, es-tu vraiment sûr? Ben oui. Là, donne-moi son numéro. Non, François, je pourrais peut-être m'en occuper, moi, si tu veux. C'est parce que je te l'ai dit que c'est important. Ben oui, pis, hein? J'aimerais ça m'occuper des clients, moi aussi, des fois. Tu m'as quand même pas juste engagé pour que je sois le petit nerd qui s'occupe de l'informatique. C'est parce que le jeune t'a mal lu ton contrat, là. C'est bien écrit en bas, définition de tâche, petit nerd qui s'occupe d'informatique. François, hein? J'aimerais ça faire d'autres choses, moi aussi, de temps en temps. Hein, je sais pas, moi, m'occuper des clients, relever des défis, sortir du bureau, n'importe quoi. N'importe quoi? Ben oui, presque. J'ai peut-être quelque chose pour toi, mon Christophe. Hein? T'es sérieux, hein? Quelque chose de gros, là? Énorme. Ça va s'appeler Sylvien chez vous. C'est bon, hein? Très bon. Hein? C'est un jeu de mots? Hein? Ben oui. Hey, je le sais. Hein? Bon. Qu'est-ce que tu veux au juste? Un site Internet. Oui, mais comment tu le veux? OK. Je voudrais qu'il soit sur Internet. Oui, d'accord.
Mais tu le veux sur streaming, sur QuickTime, sur RealTime? Ah, non, 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 non. Sur ordinateur, ça va être bien beau. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un peu comme l'année passée. Hein? Oui, oui, je vois qu'en ce qui concerne le contrat, c'est pareil. Mais? Mais Alex avait l'habitude de m'offrir un petit quelque chose en plus. Oui, mais là, c'est que... Ben, Alex, il est parti pour deux semaines, alors je pense que ça sera pas possible. Oh, non! Oh. Puis même vous, là, vous pouvez pas faire un petit quelque chose, un petit effort? Ben, c'est parce que je suis pas Alex. Bon, ben, OK, d'abord. Je vais me voir dans l'obligation d'aller voir ailleurs pour mon site Internet. Ah, non, 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 attendez, on peut peut-être arranger quelque chose. Ah oui? Oui, ben... Je vais voir ce que je peux faire. Oh, ben j'aime mieux ça. Donc, je peux passer en fin d'après-midi pour régler les derniers détails? Ben, il faudrait juste me donner juste un petit peu de temps, là, pour... Demain, d'abord. Ah, ben demain... Dites-le, si vous voulez pas. Non, 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 c'est beau. Demain, ça va être parfait, Madame Caron. Oh, appelez-moi Nicole. Mais je te l'avais dit, François, qu'Alex y avait fait des guili-guili pour avoir le contrat. Ben oui, mais ça nous avance pas plus, ça, là. Mais t'as juste à te sacrifier, toi, hein? Si t'es si bon que ça avec les gros clients. Hey, regarde, je suis marié, hein. Ah, oh, je suis plate, hein? Hey, puis dis que je te l'avais offert. Hey, regarde, c'est pas une fille de 18 ans, là, là. Faut pas la charmer en y parlant de M&M puis en y payant une slush, là. Non, mais j'aurais pu y parler de Sweet People puis y acheter de la colle à dentier. Le veux-tu bien? Hey, mais si tu veux, on peut encore changer de contrat, hein? Toi, tu t'occupes de ton voisin, puis moi, je m'occupe de Mme Caron. T'es-tu sérieux? Hey, si ça t'arrange! Non, j'aime mieux m'occuper de Mme Caron. Mon Dieu, t'es bien hot, là, là. Hein? Merci! Ben, belle, ce robe-là, c'est nouveau, ça? Ah, non, 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 je la gardais pour une occasion spéciale. C'est pas si spécial que ça, là. C'est juste moi qui rentre du bureau, là. Oh. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que je recevais un gros client aujourd'hui. Un client? Oui, oui, je l'ai invité à prendre une bonne bouteille de vin pour le remercier. Avec Julie? Non, 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 Julie est malade, elle pouvait pas être là, Julie. C'est qui, ce gros client-là? Mais voyons, chérie, t'es surpris parce que j'ai invité quelqu'un à prendre une bonne bouteille de vin ou parce que j'ai un gros client? Ben, un peu des deux, là. François, c'est normal. Ce client-là, là, il nous a engagés pour faire tous ses bureaux, puis en plus, il nous a référés pour 3 autres contrats. Hey, des clients comme ça, là, faut en prendre soin. Oui, mais c'est parce que t'as quand même invité un homme à venir boire du vin dans la maison. T'es pas jaloux parce que je suis charmante et gentille avec mes clients, toi? Ben là, t'as invité un inconnu à venir se saouler avec mon vin dans ma maison, puis je devrais trouver ça normal, moi. Mais voyons donc, toi, tu sais bien qu'en business, c'est toujours payant d'être agréable avec ses clients. Tu ne ferais pas croire que tu fais pas ta petite guidoune de temps en temps, toi aussi? Non, justement. Ben, tu devrais. Vous feriez peut-être plus d'argent au bureau. Puis, tu trouves ça normal pour ta condition féminine que t'aies à crouser pour avoir des contrats? Hein? Je ne crouse pas, je charme un peu. C'est différent. Et avec l'argent que je vais faire cette année, tu vas voir, on va se payer un beau petit voyage dans le sud cet hiver. Et je t'avoue que ma condition féminine adore se faire bronzer. Oh, 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 Sylvain, bienvenue dans ton super garage hyper high-tech. T'as pas touché à mes outils, toi, là, là? Ben non. Ah, phew! Alors, mais j'en ai installé tout un outil, hein? Hey, ça, Sylvain, là, c'est un ordinateur ultra rapide. Hein? C'est la toute dernière technologie. Hey, tellement, là, je te le dis, ça va prendre un gros mois et demi avant que ça soit déposé. Ah, bah, parfait. Puis là, qu'est-ce que je fais, là? Là, écoute, avance ici. Ça ici, là,
c'est une webcam haute définition autofocus. OK? Tout ce que t'as à faire, c'est me dire quand t'es prêt. Je vais en arrière, j'appuie sur Enter et tu te retrouves en direct devant ton public en délire. Hey, pas trop quand même, là. Hey, je voudrais pouvoir me promener dans la rue sans que des groupies m'arrachent les cheveux. Sylvain, dans ton cas, là, 30 secondes, puis c'est fini, hein? OK. Bon, ben là, alors, fait que j'ai tout ce qu'il faut, là, hein? Oui, ben oui. Hein, puis moi, je suis juste derrière ici et je regarde le nombre de personnes qui se connectent sur ton site. OK. Peux-tu me faire une petite émission tout de suite, là? Ah, ben bien sûr. Écoute, quand t'es prêt, là, hein, c'est parti! OK. Alors, bienvenue à Sylvien chez vous. T'as un jeu de mots? Aujourd'hui, on va vous montrer que c'est pas juste les humains qui doivent se brosser les dents. Non, 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 non. C'est aussi important pour ne pas qu'elles s'engraissent de brosser les dents à notre site! Bon, ben, je vais aller travailler, moi. Qu'est-ce que tu portes là? Quoi? Oh, fais pas l'innocent, c'est quoi ça? T'aimes pas ma chemise? Non, tes culottes de cuir. Ouais. Quoi, j'ai toujours l'habitude de m'habiller propre pour aller au bureau. T'as l'air d'un pouf avec des cheveux blonds. Ça te rappelle pas des souvenirs? Oui, des souvenirs bien enfouis. J'ai même brûlé les photos. J'avoue qu'elles sont un petit peu plus serrées qu'avant, là. Un peu? Ils sont tellement moulants que je vois la forme de ton poil de jambe au travers. Ça fait longtemps que je les ai pas mis, mais avec la chaleur, là, ça, le cuir, ça prend de l'expansion. Bonne chance. Quoi, c'est vrai? Ah oui? Une vache au soleil, ça vient-tu la peau plus slack? Bon, assis-toi de moi, là, j'ai une cliente à rencontrer. Ah, ouais? Ouais. Ça te fatigue, hein? Moi aussi, je peux m'habiller sexy pour charmer une cliente. François, François, François. Même si t'es habillé autrement qu'en divan de cuirette, là, ça me dérangerait pas. Menteuse. Non, je te dis. Écoute, t'es plus sur le marché, ça fait au moins 10 ans, hein? Ça se perd, ces choses-là, tu sais. Avant, t'étais peut-être le Mario Lemieux de la Cruze, mais à cette heure, c'est à peine si tu sais patiner sa bottine. T'es jalouse. Moi, ça, du tout. Mais ta cliente, par exemple. Pourquoi ma cliente serait jalouse? Ben, tu vas faire compétition à sa sacoche. Pis, c'était comment la cote d'écoute? Ah, écoute, un record. Ah, je le savais. Quelle belle idée j'ai eue. Je suis un génie. Un record de médiocrité. Ouais, c'était quasiment aussi nul que la télé communautaire. Ouais. Mais c'est ta faute. T'as peu, là. Comment ça, de ma faute? Ouais, ton site est pas accrocheur, ça marche pas. Ah ouais? Puis tu penses pas, monsieur le génie, que le public a commencé à décrocher quand t'as passé la soie dentaire à ta vice grip? Ouais. C'était très intéressant, Sarah. Puis là, j'aimerais ça que tu t'arranges pour que ça marche un peu plus, hein. C'est pour ça que je t'engage. On a un talent qui crève l'écran ici. Il manque juste un petit peu de compétence pour l'aider à le faire éclore. Sylvain, tu veux vraiment un site Internet qui marche? Ben, ben oui, c'est sûr. Donc, dans ce cas-là, tu sais que ce que ça prend pour que ça marche sur Internet, ouais, c'est... du contenu de l'intelligence. Je me mettrai pas tout nu! Regarde, laisse-moi faire, là, puis tu vas voir. Je suis pas sûr de ton idée, Christophe. Mais t'en fais pas, Sylvain, ça va marcher! Non, il me semble qu'on mélange pas ça, les femmes pis les outils, t'sais. Pas plus qu'on mélange l'huile pis le vinaigre, les cheveux pis la gomme ballon, une gosse pis une barre de baissier. Sylvain, tout ce que t'as à faire, toi, là, c'est d'animer ton émission, qui okay? Elle, là, c'est juste ton assistante, OK? Ouais. En tout cas, que je la voyais pas faire du ménage dans mes outils. Non, non. Inquiète-toi pas, hein? Samantha, est-ce que tu es prête? Regarde, Sylvain, tu peux avancer juste ici. Samantha, juste ici, comme ça. Excellent. Alors, je pense que l'on est prêt. OK, mon Sylvain, pars-nous ça. Tu nous en fais une et c'est parti!
Alors, bienvenue à Sylvien chez vous. C'est un jeu de mots. Ça, c'est tellement fun. Alors, la toute nouvelle émission diffusée sur le net de bricolage, où on va vous montrer à faire des petits et de gros projets de rénovation. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser. On va écraser des affaires dans un étau. Alors, Samantha, si tu veux me donner quelque chose à écraser. Bon, ben c'est discuté, hein? C'est bien beau, votre femme adorée, votre fils que vous chérissez, votre petite vie de couple incroyable, mais j'ai un horaire très chargé, alors passons aux choses sérieuses. Ça vous dérange pas ce que je viens de vous dire? Du tout. Est-ce que vous avez mon petit quelque chose? Bien, je suis là. La clé. La clé. C'est que j'ai pas eu le temps d'aller louer la chambre d'hôtel. Pardon? Je veux dire la chambre. La suite. C'est quoi cette affaire-là? Vous voulez me payer une vulgaire chambre d'hôtel? Ben, il n'y en est pas question. Moi, ce que je veux, c'est le chalet. Le chalet? Ben oui, le chalet des parents d'Alex. Ça fait 3 ans qu'ils me le passent pour une semaine. Le chalet! Oui, le chalet! Le chalet des parents d'Alex! Oui, le chalet! Bon, ça va, calmez-vous, là. Est-ce que vous avez la clé? La clé, oui, la clé. La clé du chalet, la clé. La clé. Elle est pas là. Puis, qu'est-ce que ça dit, les codes d'écoute? Écoute, c'est excellent. Hein? J'ai jamais vu un show décoller aussi vite en si peu de temps. Ah, c'est ça. Les gens, ils savent reconnaître le talent. Hein? Il n'y a pas juste des morons sur Internet. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Bon, mais il me semble qu'on n'a pas parlé beaucoup de rénovation, par exemple. Ah, Sylvain, t'en as parlé juste assez. Ouais. Bon, je pourrais peut-être en parler plus, hein? Hey, ça attirerait plus de monde. Non, ça va, non. C'est, si tu veux attirer plus de monde, par exemple, j'ai peut-être une petite suggestion pour toi. Ah, oh, pourrais peut-être le faire en anglais. No problem, I am very good in the language of George Bush. Non, j'avais plus pensé à quelque chose comme t'entourer un peu mieux. M'entourer... Miranda, est-ce que tu es prête? Wow. Ouais, non, là. Mais oui. Hein, une assistante, Sylvain, pour t'amener les petits outils, ça va? Mais pour amener une planche de plywood à deux, c'est mieux. Hey, c'est pas fou, ça? OK, mon Sylvain, alors installe-toi. Ah. Hein? Miranda, Samantha, mademoiselle, on s'installe ici. Excellent. OK, on s'en fait une, mon Sylvain. Sylvain, est-ce que tu te déplacerais vers ta gauche juste un peu, s'il te plaît? Ah, comme ça? Encore un peu. Ah. Comme ça? Un petit chouïa encore, là, juste. Ah. Ben là, il me semble que je suis pas à l'écran, là. Ben, c'est parfait, mon Sylvain, tu y vas quand tu veux. Bon. Ah. Bienvenue à l'émission Sylvien chez vous. Non. Ah, oh, oui. Tu as fait un show réno porno? Non, ben là, exagère pas, là. Disons juste que c'était de jolies jeunes filles habillées plutôt légèrement. Je vois ça. Ah, désolé, mon vieux, il est trop tard. Comment ça? Ah, ben, c'était Sylvain, là, il disait qu'il avait des principes, qu'il n'avait pas besoin de filles pour vendre son show. Mais d'après moi, là, il était juste frustré parce que le silicone qui intéressait le monde, c'était pas du mono. Fait qu'il y a plus de titre. Ah non, ben non, je l'ai laissé tout seul là-bas avec ses principes pis son stock, là, il m'a dit qu'il allait s'occuper de ça lui-même. Ça va être beau. Ça fait que, es-tu fier de moi? J'ai rempli mon mandat à merveille. Ben là, c'est facile, tu t'es servi du sexe. Oh boy, excusez-moi, pardon, parce que François ne s'est pas servi du sexe pour conquérir Mme Nicole Caron? Non, justement. Non? Qu'est-ce que t'as fait? Ben exactement comme je t'ai dit, Alex sait faire la différence entre le sexe pis le travail.
Ce qu'elle voulait, c'était pas le corps d'Alex, c'était le chalet de ses parents. Il n'y avait pas l'histoire de guili-guili pour des contrats, là. Juste ça. Mmh. Le chalet. Eh oui. Salut, François. Allô, allô, Nicole. Voici la clé du chalet. Je l'avais oubliée sur mon bureau. Merci beaucoup. Hey, vraiment, là, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, tout le plaisir est pour nous. Bien sûr. Et parlant de plaisir, on se revoit là-bas. Où ça? Ben oui. Alex venait toujours me rejoindre durant ma semaine. Ça fait partie de l'offre. Oh! Puis oublie pas de mettre tes culottes de cuir, hein? T'es tellement sexy là-dedans. Alors, bienvenue à Sylvien chez vous. C'est un jeu de... c'est ça, hein? Fait que, aujourd'hui, c'est sujet libre. Alors, je réponds à tout. J'attends vos appels. Alors, allez-y, là, j'attends vos appels. Bon, ben, OK, d'abord, là, la, 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 la,